bien, bienvenue à bord de l'intégrale Autostar I660 Celtic Edition. Comme tous les ans, Autostar s'est lancé donc dans la production de véhicules de printemps avec cette série Celtic Edition. Il s'agit donc d'un intégrale, le I660. C'est une nouvelle implantation. Celle-ci n'existait pas en fait dans cette famille de véhicules. Nous nous trouvons donc assis ici dans un maxi salon énorme avec une large banquette latérale sur notre droite et une très grande banquette également sur notre gauche. Alors ces banquettes sont bien entendu convertibles en sièges face route. Elles sont équipées de ceintures de sécurité et même du système ISOFIX pour le cas où il faudrait installer un siège enfant. Les sièges de cabine sur lesquels nous sommes assis actuellement pivotent sans le moindre souci. Le système de vision panoramique permet d'observer l'arrière du véhicule, mais également la gauche, la partie frontale et pour terminer, toute la partie droite. Nous sommes ici dans le cabinet de toilette, pourvu d'un beau miroir, derrière lequel se trouve une grande penderie avec des tiroirs. Côté douche, la cabine est suffisamment vaste. Le receveur est recouvert d'un cahier bottis. Et on apprécie surtout aussi l'aération haute par lanterneau. Le seul lit permanent du I660 Celtic est ce lit de cabine que nous vous montrons ici. Un lit d'une largeur de 140 cm pour une longueur de 190 avec un matelas haute résilience et bien entendu un sommier à latte. Le filet de protection obligatoire qui se trouve là et pour y accéder l'échelle qui se trouve dans le couloir. Sur route, le I660 se montre tout à fait sécurisant, surtout avec la motorisation 140 chevaux qui est très véloce, qui a du répondant. Les reprises sont parfaites. Ce qui est également sécurisant, ce sont donc les caméras qui sont logées dans les rétroviseurs extérieurs et qui permettent, avec l'écran que nous avons sur la gauche, de visualiser les angles morts droite et gauche, mais également d'avoir une vision vers l'arrière. Concernant le gabarit du véhicule, le I660 est un modèle compact, par conséquent il est assez simple à conduire et se fonde assez facilement dans la circulation. Là, nous sommes actuellement dans un petit village et les rues sont extrêmement étroites et c'est vraiment sans appréhension que nous abordons ces petites ruelles.